piétine mes hortensias. Bonne année, princesse. Oh, arrête avec ta bave collante. Cocktail spécial nouvel an. Tu as l'air en pleine forme. Tu sais que tu nous as fait une grosse frayeur. Allez, aux deux filles les plus ravissantes de ma vie. Ex-fille, Ray. Et on est des femmes toutes les deux. Hello. Hello, Marina. Max, dépêche-toi. J'arrive. Max. Marina. T'es la seule personne devant qui j'ai pas trop honte de mes parents. Un petit cocktail pour tout le monde. Oh, avec plaisir. Venez, ah, spécial. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed them what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. Le crois pas. J'ai vraiment honte. Venez ici, Maxi. Venez danser avec Linda. Je vais essayer. Judith, allez, venez danser avec moi. C'est pas vrai. Non, je marche sur les pieds. Désolé. Attends, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et je sais qui vous êtes, Isabelle, belle, belle. Ça va? Bien sûr. Oh, quelle jolie robe, un peu comme la mienne. Voici Max, j'ai dit. Enchanté. Yeah, bonne année. Oh, salut, merci. Ravi de faire votre connaissance. Toi aussi. Isabelle, c'est ça? Parfait, moi je retourne dans. Alors? Alors, je suis contente de voir que Isabelle et toi, vous êtes réconciliés. Oh, tu sais... Et toi, ça s'est arrangé avec, je sais plus comment il s'appelle. Oh, Daniel. Oui, oui, maintenant ça va très bien, merci. C'est super. Oui, enfin, je voulais m'excuser pour la façon dont... En fait, j'étais tellement... Enfin, je veux dire, oui, à ce oui, moment-là... c'est sûrement mieux comme ça. Ah oh, oui, bien sûr, pour tous les deux. Linda a l'air de s'être bien remise de tout ça. Ouais, ça nous a bien secoué. Isabelle a été géniale. C'est une fille qui sait vraiment ce qu'elle veut. Oh, c'est bien. Isabelle, Oli. Ah, bonsoir. Oli, ravie de faire ta connaissance. Oui, moi aussi. Et tu es ici à Londres pour longtemps? Marina m'a dit que tu étais comédienne. Non, non, j'ai une audition à passer à Paris lundi. Bon, je devrais pas le dire, mais c'est pour un film d'un très grand réalisateur italien, très connu. Oui, en fait, c'est Bertolucci. Ah, oh, c'est super. Oui. Tu vois, jouer dans un film ou dans une pièce, ça n'a rien à voir. Au cinéma, tu ne dois pas jouer les émotions, juste les ressentir. Et la caméra saisit tout, et c'est vraiment merveilleux. Et dans quel film tu as joué? Oh, je fais surtout du théâtre pour le moment. Et quelle heure il est? Bientôt midi. Allez. Oui. Oh. Oh. Non, on a encore le temps. Tu tiens le coup? Votre attention, s'il vous plaît. Isabelle et moi, on a quelque chose à vous annoncer. Voilà, on va se marier. Oh, oh, félicitations. Bravo. Je sais, Isabelle, tu as beaucoup de chance. Félicitations. Ça ne va pas, ma chérie? Qu'est-ce que tu as, ma puce? Tu ne te sens pas bien? Mais rien, je sors une minute juste pour prendre un peu l'air. Je crois que nous allons être en manque de champagne. Je vais en chercher. Hé, il fait super froid dehors, mais ça... J'en ai pas besoin. Marina. Oh là là, c'est un vrai cauchemar, cette nana. Marier, c'est dingue. Oh, se marier, plus personne fait ça maintenant. C'est trop ringard. C'est pathétique, c'est un truc du Moyen-Âge. Ouais, ça fait bizarre. Et elle, elle est ridicule. Oh, qu'est-ce qu'il lui prend? Il se rend compte qu'il est à fond dans le cliché. Moi, tu m'as toujours. Pourquoi? Qui? J'ai pas, hein? Oli, arrête, je supporte pas quand on n'est pas nous. Je sais plus qui je suis quand on n'est pas nous. Moi, je le sais jamais. Allez, viens. Fais-le pour moi. Oh, le... Il est bientôt minuit. Bonne année, Oli. Toi aussi. Allez, viens, on rentre. Et fais un beau sourire. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année!
Allez, donne-moi ça, donne-moi ça. À droite. Non, là, c'est trop tôt. Allez, encore une petite goutte. Tu préfères du rouge, Isabelle? Non, ça va, merci. Oh, Carl. Et alors, ça marche, les vidéoclips, Marina? Ah ouais, génial. Le superficiel, ça marche toujours. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ça a l'air très mystérieux. Ah, à une bar mitzvah. Ah, du destin. Oui, c'était le destin. Vous êtes Holly Rossman, non? La sœur de votre père est mariée au frère de mon cousin, ou un truc dans le genre. Léo Müller. 11e commandement, tu danseras au bar mitzvah au lieu de rester à l'écart avec des airs supérieurs. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais demain à midi? J'ai rencontré un homme qui a un trop beau parti pour moi, un médecin juif. Il s'appelle Léo. Docteur Léo Müller. Tu le vois où? Ok. Si elle n'était pas passée devant le resto à cet instant précis, je n'ose même pas y penser. Oui, c'est vrai. Et vous deux? C'est moi qui ai rencontré Carl en premier. À une réunion de travail. Rasoir. Hein, Carl? Ouais. Et je les ai présentés l'un à l'autre. Comme dans ce roman de Jane Austen. Lequel? Emma. Ah oui. Et paraît que t'es un fan de boxe, Carl? Oui. Oui, je pratique un peu aussi. C'est un excellent défouloir. Un peu comme une thérapie, quoi. Mais je vais aussi voir un psy, deux fois par semaine. Ayumia, je me demande si j'en aurais pas besoin. Si, pendant au moins 10 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ce que je pense, c'est que ça convient à certains, mais pas à tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, il écrit des chansons. C'est un musicien. Oh, cool. Qu'est-ce que t'as fait? Je vends des fournitures de bureau pour le moment. Uniquement du haut de gamme. Il faut bien payer le loyer. On vient de passer 5 ans aux États-Unis. C'était mieux pour ma carrière que de rester en France. Je suis comédienne. Cool, j'adore Los Angeles. Non, en fait, c'était Minneapolis, pas Los Angeles. C'était seulement pour un soap, mais c'était très intéressant. Ouais, être française, c'est un atout pour toi là-bas. Les Français sont très sexy. Oh, merci. Isabelle, comment ça se passe pour toi ici? Eh bien, j'ai rencontré Mike hier. Mais il est très connu. Oui, c'est un vrai génie. Et je vais bientôt jouer dans une nouvelle pièce assez politique. On pourrait aller à la première? Oui, il faut que vous veniez tous, non? Oui. Et toi, Holly? Oh, en fait, je suis toujours sur le même projet d'écriture. Ouais, ça tient plus de l'essai que du roman. Je mens pas, des années. Toujours le truc sur les vampires? Oui, c'est toujours le truc sur les vampires. En fait, le sujet du projet, c'est montrer comment chaque décennie... Attends... C'est pas vrai. Le vampire sous forme d'icône sexuelle. C'est pas un projet ni un truc. C'est un bouquin. Maman nous a envoyé tes articles, ils sont super. Ils sont fabuleux. C'est vrai que Holly est l'intellectuelle de la famille, n'est-ce pas, Marinette? Elle est journaliste. Je publie pas mal, tu sais. Et pourtant, je suis toujours fauchée.